Catherine Beauchemin-Pinard qui reçoit une bourse de 4000 $. Tu es en judo, une bourse d'excellence académique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi de recevoir une troisième bourse de la Fondation aujourd'hui? Ça représente un espoir et un coup de pouce pour ma carrière. Et ça m'aide beaucoup pour financer des compétitions à venir. Là, j'avais fait une compétition justement à Düsseldorf qui n'était pas financée et qui va aider à payer cette compétition-là. Et sûrement d'autres compétitions parce qu'on n'est pas tout seul dans chaque catégorie. Et on a un peu... on est deux à vouloir être financés, donc on n'a pas toutes les compétitions de financer des fois. Et ça va m'aider à pouvoir faire toutes les compétitions que je veux faire pour essayer de me sélectionner pour les Jeux olympiques de Rio. C'est sûr qu'avec le judo, vu que la sélection olympique, il faut que tu te classes dans 14 meilleurs au monde. Il faut beaucoup sortir. On a vraiment beaucoup de compétitions à l'extérieur, donc on part beaucoup. Je pars pour une session, on passe 3 mois à l'école pour une session. Je pars quasiment un mois complet durant la session. Donc je prends des sessions vraiment légères. Comme cette session-ci, j'ai juste 2 cours, mais j'aime mieux en avoir moins et les passer plutôt que d'être rempli de plein d'affaires et avoir de la misère à l'école. Je me vois, j'ai vraiment beaucoup de passion. J'ai l'art, j'ai le judo, j'ai le sport. Il y a un peu de nutrition parce qu'on fait beaucoup de régime, donc je suis pas encore sûre de la carrière que je veux faire. Mais pour l'instant, je pense peut-être aller dans kinésiologie. Super. Mais écoute, on va te suivre jusqu'au Jeux de Rio. Et la meilleure des chances pour les prochaines étapes en vue de te qualifier pour l'équipe olympique canadienne. Merci beaucoup.